Bonjour, je suis Neja et je vais faire la moussaka simple. 16 ingrédients sont 400 g de crème fraîche, une grande cuillère de concentré de tomate, 500 g de viande hachée, 1 kg 400 g de pommes de terre, un peu d'huile, un peu de sel, un oignon, un œuf, un peu de basilic et de poivre. Alors, nous épluchons les pommes de terre. Ensuite, nous mettons les pommes de terre dans une passoire et les rinçons. Après, nous coupons les pommes de terre en fines tranches. Nous les faisons cuire dans de l'eau salée. Nous épluchons et hachons l'oignon et le faisons revenir dans l'huile. Quand les pommes de terre sont cuites, nous les égouttons. Ensuite, nous ajoutons la viande hachée et un peu de sel et la faisons revenir un peu de temps. Alors, nous ajoutons le concentré de tomate et un peu d'eau. Nous mixons et ajoutons le basilic et le poivre. Nous faisons revenir tout pendant 10 minutes à basse température. Dans une saladière, nous mixons l'œuf et la crème fraîche. Nous ajoutons un peu de sel et de poivre. Nous mettons la moitié de pommes de terre dans le fond du moule. Sur cette couche, nous répartissons la viande hachée. Sur le dessous, nous mettons le reste de pommes de terre. Nous versons la sauce béchamel sur le dessous des pommes de terre. Nous préchauffons le feu à 200 degrés Celsius. Nous cuisons la moussaka à 200 degrés Celsius pendant 40 minutes. Finalement, nous sortons la moussaka de feu. Bon appétit!